Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes donc lundi 11 décembre. Et c'est la merde. Voilà, très clairement, c'est la merde. Non, on est actuellement... il est actuellement plutôt 10h05. Et ben, il y a toujours rien de dégagé. Voilà. Il y a toujours rien de dégagé. Donc, c'est clairement la merde. Je sais pas si je vais pouvoir aller chez ma soeur. Vendredi, j'ai mon lave-vaisselle qui a lâché. Du coup, il y a le réparateur qui va passer aujourd'hui. Sauf qu'il ne sait pas vers quelle heure il va passer. Donc, je ne peux pas bouger. Je suis censée aller faire les courses. Je sais même pas si je vais y arriver. Parce que les courses, c'est la merde. Bref, c'est un bordel sans nom. C'est un bordel sans nom. Et là, j'ai un bouton qui a pété. Enfin, que j'ai pété. Et je saigne, voilà. Ouais, je sais pas. Donc au final, ce vlog devait être vachement chouette. Je devais aller chez ma soeur, etc, etc. Et je sais même pas. Voilà, bon, après, si je vais pas aujourd'hui chez ma soeur, j'irai soit mercredi, soit jeudi. Ça, c'est pas la question. Mais ouais, là, je suis assez deck, quoi. Il y a des choses qui m'énervent. Il y a plusieurs choses là qui sont en train de m'énerver. C'est 10h, je suis réveillée depuis 1h30 de temps. Et il y a des choses qui sont déjà en train de m'énerver, dont certaines que je peux pas parler en vlog, voilà. Et la chose principale aussi qui m'énerve, c'est ces travaux. Là, ça commence vraiment à bien faire, en fait. Comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, je commence vraiment à plus supporter. Donc au final, quand j'ai regardé la vidéo une fois montée, une fois faite, ça me fait rire, hein, ça me fait rire de me voir comme ça. Mais en réalité, au quotidien, ça ne me fait absolument plus rigoler, voilà. Les anciens locataires de cet appartement, ils sont partis en juillet. Les travaux, ils ont commencé en août. On est en décembre. C'est un 4 pièces et demi. Ils sont toujours pas finis, quoi. Ils ont toujours pas fini. Alors, je veux dire, pourtant, j'habite dans un immeuble de 2011. Donc, c'est pas un immeuble vieux. Je veux dire, mon appartement, c'est peut-être pas l'appartement le plus moderne du monde. Enfin. Voilà, vous le voyez en gros dans mes vlogs, mais je veux dire, déjà, ça c'est pas... c'est moderne quand même, je veux dire, la cuisine, certes, il y a des meubles... Oui, c'est un peu un bordel, faut que je range. Il y a des meubles qui sont plus modernes que ça, mais je veux dire, ça va tout à fait. J'ai deux salles de bain, ça va très bien. Vous entendez? Ça n'arrête plus. Alors certes que t'as envie de rénover, refaire de la peinture, refaire des sols, je comprends, il n'y a aucun souci, aucun souci. Sauf que là, ça fait 4 mois, voilà, et qu'ils ont toujours pas fini. Donc clairement, ils sont en train de faire quoi? Changer complètement la position de l'appartement, rajouter des salles de bain, je sais pas. Je sais pas, mais là, c'est en train de me tendre. Surtout que les mecs, en fait, ils nous ont fait chier déjà pendant 2 mois. Et au bout de ces 2 mois, ils nous ont envoyé une petite lettre. Excusez-nous pour les désagréments, des travaux vont être effectués. Oui, excuse-moi, ça fait déjà 2 mois que tu nous les brises, et là, ça continue, quoi. Donc, ouais, parce que c'était... ils ont envoyé ça 2 mois après le début des travaux. Et c'est comme je le disais en rigolant dans la vidéo, mais au final, c'est tout à fait ça. C'est que au final, c'est ça, c'est les propriétaires de l'appartement qui reprennent l'appartement. Si cet appartement ne leur plaisait pas, il fallait pas le prendre, en fait. Il fallait le vendre et puis aller en acheter un autre qui correspond à ce qu'ils aiment. Parce que là, c'est pas possible. Et là, je veux dire, envoyer une lettre d'excuse... à tout l'immeuble, c'est bien beau, mais les voisins du rez-de-chaussée, ils sont pas dérangés. Les seuls qui sont dérangés, en réalité, c'est moi, quoi. Peut-être mes voisins d'à côté, bien que ce soit pas pile au-dessus, mais ouais, non, puis c'est pénible, quoi. 8h ça commence, 17h ça finit, la journée tu peux rien foutre parce que, enfin, et au final, on s'en rend peut-être pas compte comme ça, et ça peut vous paraître complètement minime, mais c'est vrai que franchement, ça atteint sur pas le moral, mais ouais. On va dire le moral, quoi, mais ça commence vraiment à tendre parce qu'au final t'es pas reposé. Ils disent pas du tout. Au final t'es pas reposé. Au final c'est vite fatigant. On se rend pas compte parce que voilà, souvent les travaux c'est quelques jours, etc. Là ça fait quand même 4 mois. Sauf qu'avant ça, il y avait des travaux dans ma rue qui duraient depuis mai. Donc en gros, là ça fait 8 mois que j'ai du bruit de travaux tous les jours. Donc c'est un lundi un peu bizarre. Franchement, hier j'étais hyper heureuse parce que la neige tombait, etc. Et j'adore la neige, et là genre, je suis toujours super heureuse qu'il ait neigé, que ce soit blanc, etc. Mais le fait que
Bah, il n'y a rien de dégagé. Voilà. Le fait que ces travaux sont en train de vraiment me bouffer de l'intérieur. Et en plus, je m'en rends compte, c'est parce que je commence à être. Pas agressive, mais je commence à être un peu tendue avec mon homme. Mais je sais très bien pourquoi. C'est parce que je me repose plus, parce que je suis fatiguée, parce que tous les matins je suis levée en sursaut. En fait, t'es là, tu dors tranquillement, et puis d'un coup t'as un marteau de pique qui tape dans les murs, j'en sais rien. Bah franchement, ouais, ça te réveille en sursaut tous les matins, du coup je suis fatiguée. Enfin bref, c'est un engrenage. Là en plus, le fait qu'on vient cet après-midi, on sait pas me dire à quelle heure, ça me gâche complètement ma journée. Voilà, parce qu'à la limite, voilà, que les routes soient pas dégagées, c'est pas grave, je vais chez ma soeur quand même. Enfin, au lieu d'arriver à 1h30, bah, peut-être que j'arriverai à 2h, 2h15, c'est pas la fin du monde. En soi, c'est pas la fin du monde, j'ai pas d'horaire. Mais là, le fait que je sais même pas si je vais pouvoir y aller, alors que déjà ça fait passer 10 jours que je l'ai pas vue. Alors ça peut paraître peu pour certains, certes, mais normalement ma soeur, je la vois beaucoup plus que ça. Ça commence vraiment à me bouffer. Enfin bref. Début de vlog pas hyper réjouissant. Désolée. Je vais vous ouvrir tout de suite les calendriers de l'Avent. Hein, voilà, on va essayer de partir sur des bonnes bases. Et comme toujours, on va commencer avec le Durance. Et comme toujours, je vais vous tourner. Le 11, là. Donc ça doit être une bougie chauffe-plat. En soi, ça ne me dérange pas. Hein. Quand je le dis comme ça ne me dérange pas du tout. Hein. En même temps, c'est un peu le principe du calendrier. Ouais, bon, le 24, par contre... Je sais pas ce que ça peut être. Je vois une case un peu plus grande, ça doit être un produit. Donc c'est cannelle orange. Bon bah ça c'est clairement cannelle orange, c'est une valeur sûre. Je pense que c'est une de mes odeurs préférées. Donc c'est parfait, on va continuer avec le Sephora. Un crayon rouge pour les lèvres, je suppose hein. Un crayon rouge pour les lèvres. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai rouge, rouge, rouge? Ouais, j'ai un rouge déjà. Mais c'est pas grave, ça va très bien. J'essayerai. Ça me convient. Franchement, ça me convient. C'est des valeurs sûres pour les fêtes. Le rouge, de toute façon, quand on a un calendrier de l'avant, on sait très bien qu'en général, les couleurs, s'il y a du vernis, du rouge à lèvres, des choses comme ça, ça sera du rouge. Donc voilà, il y a un truc qui m'a... toujours un peu déçue avec les calendriers de l'Avent. Et là j'ai l'impression que ça va être le cas pour le Durance. Pour le Sephora, je sais pas, j'ai même pas fait attention à la taille de la case. Bref, mais j'ai l'impression que je vais être déçue pour le Durance. À cause que vu la taille de la case, c'est un petit produit. Alors en soi, c'est très bien, hein, comme je vous disais, les produits... me plaisent, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'ai toujours trouvé dommage dans les calendriers de l'Avent, et quand je vous dis ça, c'est que ce soit le Durance ou peu importe le calendrier de l'Avent, ça m'a toujours déçu en général dans les calendriers de l'Avent, c'est que c'est qu'à chaque fois le 24, c'est pas forcément un plus gros cadeau quoi. Je sais pas. Moi je m'attends toujours, je sais pas pourquoi au final chaque année je suis déçue, mais chaque année je reprends des calendriers de l'Avent, mais bon c'est pas grave, hein, je continuerai, c'est aussi le principe d'avoir un calendrier de l'Avent, c'est qu'à chaque fois, putain ça fait déjà 11 minutes que je parle pour rien dire au final, c'est qu'à chaque fois tout le long il y a des petits cadeaux, alors ça certes, et puis à chaque fois je m'attends que le 24 ils mettent genre, si c'est des produits, ben, full size ou alors... quelque chose un peu différent, etc. Et au final, non, c'est toujours un peu la même chose, les mêmes tailles, etc. Enfin bref. Donc pour l'instant, je vais vous laisser. On verra comment se déroule la journée. Ça va peut-être pas être... ça va peut-être pas être aussi intéressant que prévu à la base. On verra. On verra. Pour l'instant, je sais pas. Voilà. A plus. Bon les gars, franchement, il n'y a rien qui se passe comme prévu aujourd'hui. Je passe une journée pas super super, très honnêtement. Il y a plein de choses qui me gonflent. En plus, il y a ma chaîne qui a été manger toutes les petites rondelles d'orange séchées que j'avais mis sur le sapin. Donc, elle a pété une boule. Donc, super, quoi. Donc, autant vous dire que là, je suis un petit peu blasée de cette journée. Voilà. Je pense pas que je vais pouvoir... En plus, je vais pas pouvoir faire grand-chose vu que j'ai un technicien qui arrive cet après-midi. Je vais pas pouvoir aller chez ma sœur. Donc honnêtement je pense que je vais combiner aujourd'hui et demain.
Demain, je travaille toute la journée, donc à part les calendriers de l'avant, etc., il n'y aura pas grand chose. Mais voilà, parce que là, honnêtement, si je continue à vlogger aujourd'hui, ça va être mon humeur du jour. Comme vous voyez, un peu blasée, un peu énervée. Je suis fatiguée, je suis tendue. Ces travaux, ils commencent vraiment à me tendre, comme je vous l'expliquais ce matin. Donc au final, je vais pas vous faire un vlog pour me plaindre et râler. C'est la vie de tous les jours, quand on vlog au quotidien, bah voilà, c'est des choses qui arrivent et puis vous avez toutes les facettes des personnes, vous avez autant les bons, les moins bons moments. Mais bon, après je conçois que c'est pas totalement intéressant, donc au final, franchement, je vais arrêter aujourd'hui de vlogger maintenant. On a ouvert les calendriers de l'avant, on a fait ce qu'on avait à faire. Franchement, je voulais faire un gâteau, etc. cet après-midi, vous montrer un peu, etc. la recette, mais je vais même pas le faire, j'ai même pas envie là. Tout ce que j'ai envie, ce serait de me poser dans mon canapé dans un calme le plus total, ce qui ne va pas être possible. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vous reprendrai demain et j'espère que je serai de meilleure humeur. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes mardi 12 décembre. Il est actuellement 6h20 et comme d'habitude, je pars au travail et je suis un peu à la bourre. Voilà. En fait, à chaque fois, je suis bien. J'arrive jamais en retard. Je suis à la bourre, mais j'arrive jamais en retard. À chaque fois, je suis bien et au final, je vais sortir mes chiens. Ils traînent, ils sentent tout. Normal, hein, c'est des chiens, je devrais le prévoir. Et puis je me retrouve un peu à la bourre. Bref, aujourd'hui ça va mieux. Oups, pardon. Aujourd'hui ça va mieux. Hier soir la journée elle s'est pas finie non plus top top. On avait le chien, le gros, un bébé qui avait un peu de peine, hein. Il avait un truc, enfin il avait la peau de l'œil qui remontait et sa peau et la peau dessous qui tombait. Bref, on s'est vachement inquiété, on s'est dit de toute façon aujourd'hui s'il y a toujours veto directement, il n'y a pas de question. Puis là au final plus rien ce matin, donc ça m'a mis joie. Donc voilà, petite journée, enfin petite journée, je commence à 6h30, je la pose à 1h, je prends à 2h30 et je finis à 6h ce soir. Et donc ça, c'est vachement cool. Je sais pas si je vous retrouverai à midi pour les calendriers de l'Avent ou ce soir, mais je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao. Yo. Oula. C'est blanc. J'espère que vous allez bien. Moi je suis en pause, donc ça va plutôt bien. Et là, la bonne nouvelle de la journée. Enfin de la bonne nouvelle, façon de parler. Le truc cool, c'est que comme il a neigé et que devant chez la grand-mère, à mon homme, c'est pas très très accessible, il va poser lui les chiens chez la grand-mère. Du coup, je suis à la recherche de mon chat. Du coup, j'ai ma pause tranquille. Attendez. Salut. Salut petit chat. Tu fais faim. T'es belle. Salut mon chat. Salut mon bébé. Oh chat. Bref, du coup j'ai 1h30 de pause. Oui c'est la chambre à papa, je suis en train de la refaire. J'ai 1h30 de pause. Du coup si je dois aller poser les chiens, en général il faut qu'à il faut qu'à 2h j'y aille. Et là pour partir à 2h15. Vous me direz c'est qu'un quart d'heure, mais quand on a une pause, un quart d'heure, ça se prend. Donc voilà. Au menu, je vais me réchauffer. Hier soir, on a fait des faritas. Il reste un peu de comment ça s'appelle, de préparation, de bref, la préparation. Du coup, je vais me la réchauffer. Je vais me faire deux petites faritas et ça va bien passer. Et je pense que on se retrouvera ce soir pour les calendriers de l'Avent, pardon, pour les calendriers de l'Avent. Donc, à ce soir, ciao. Et coucou, on se retrouve maintenant, il est 6h20, j'ai fini le travail et nous allons sans plus tarder ouvrir les calendriers de l'Avent pour ce 12e jour.
Et comme d'hab, on commence par l'endurance. Je pense que j'ai plus besoin de le préciser. Donc le 12, il se trouve là. Ce sera un petit produit. Exact. Et ce sera shampoing aux huiles essentielles mandarine et gingembre. Encore une fois, c'est parfait. Il sera utilisé pour notre week-end Amsterdam. Donc, tip top. Et on va tout de suite continuer avec le Sephora. Oh, c'est le pire chou. C'est un petit miroir. Un petit badge miroir. Non, c'est vraiment chou. Franchement, ça, c'est beaucoup mieux qu'un petit élastique. Déjà, c'est mignon. Puis ça risque d'être assez pratique quoi. Donc pour ce 12e jour, je suis vraiment plutôt contente. Ça me convient parfaitement. Donc je vais vous abandonner là. Je vais rien faire de spécial. Je vais aller me doucher. Je vais me mettre en training tranquille. Je vais aller monter ce vlog et manger avec mon chéri. Donc on se retrouve demain. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous serez au courant. En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao !